Re YouTube, j'ai des gâteaux plein les dents. Et on continue Mario Galaxy pour cette troisième session. Je sais plus ce que j'ai à faire. J'ai failli faire une blague interdite. Ah ouais? Tu leur dis que tu les aimes bien, ils vont durcir. Oh là 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 les gens. Ah! Ah! Comète farceuse! Est-ce que vous aimez les petits moments ASMR biscuit? Vous kiffez ou pas? Allez, on va rincer tout ça quand même. Allez, comète blanche. Ah, comète blanche, c'est pas un point de vie? Pas de seconde chance. C'est ça. C'est ça. C'est pas de... Souvent, c'est les boss. Donc, faut les réussir du premier coup, quoi. Voilà. Vous voyez ? Un point de vie. Merde. J'ai sauté à côté. Hop. T'as juste envie de tuer les gens qui mâchent la bouche ouverte. Ah ouais? Merde. Comme le truc que je viens de faire quoi, c'est ça? Il a sa mère. Voilà, mais j'ai tellement failli me faire bourrer en fait. Allez. Allez. Allez, ça dégage. Il n'y a pas que ça à faire, hein. Palabalam, babam. Désirez-vous se garder? Oui. Là, je suis très content de mon boss. On a tout fait, hein. Bon bah... On est parti pour le gros niveau. À l'assaut de la forteresse de Bowser. Bowser. Ça fait pas du tout sa voix, mais ça fait une voix grave, alors j'aime bien. Merde, je m'étouffe avec un bout de biscuit. Je vais mourir. Désolé. Alors, qu'est-ce qu'ils me veulent? Je ressens l'énergie caractéristique d'une grande étoile dans cette direction. Mais le chemin doit être semé d'embûches. Je t'en prie, fais bien attention. J'avais l'intention de faire le con. Oh non, c'est le... C'est la musique de Mario 64, ça va me porter malheur. Oh, les petits effets là. La gravité est toute détraquée. Alors regarde bien les flèches avant d'avancer. Merci.
faut faire gaffe là. Alors c'est une phase qui est vachement en 2D en fait. C'est assez rigolo. Non, oh là 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 là, j'ai failli tomber, j'ai failli tomber. Merde. Il y avait rien là-bas, non, il y avait rien. Je vais revérifier quand même. Non, il y avait que dalle au-dessus. Du twomp. Ah oui, il me balance des merdes. Bah voilà. As-tu vu ça, Bowser? Sont cool les enfin de ce que je me rappelle les combats contre Bowser étaient vraiment cool. Alors te voilà. Un petit nabo, je vais t'écrabouiller et te réduire en poussière spatiale. Ouais. Et voilà, il s'est cramé le cul. Et là, il s'énerve. T'as vu ça? Vénère. Vénère. Allez. Merde! Tiens. Tiens, cramage de cul. J'ai pas réussi! Je suis qu'un gros naze! Bon, c'est bon. Revénère! On en dirait une musique de Dark Souls avec les voix. Ah! Merde, attendez! Attendez, je regardais le chat, je regardais le chat. Hop, cramage de cul. Merde! Ah merde, le salaud! Il se décale un peu. Non mais arrête, reviens. Non mais reviens, Bowser. Voilà, merci. Et paf. On dirait une musique de Dark Souls avec les voix. Je connais pas trop les musiques de Dark Souls en fait, donc je saurais pas te dire. Ah, quel fiasco, mais ça ne m'arrêtera pas le bon plan, le bon déroulement de mon plan. Penses-tu vraiment pouvoir m'arrêter, Mario? Ah, là, là, quel con. Et une grande étoile. Tac. Poète, 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 poète. Et là, on va déverrouiller la bibliothèque. Non, c'est ça? Je sais plus. Non! L'étoile est devenue verte. C'est ça, regardez, c'est la bibliothèque. Pour lire des livres. Ah, et commencer à voir l'histoire aussi, je crois. Je crois qu'il y a Harmonie qui nous dit « Ah là là, il s'est passé ça, il s'est passé ça. »
Oula, oula. Plein de choses. Maintenant que cette grande étoile est revenue, les dômes les plus éloignés sont accessibles. Mais la puissance stellaire de l'observatoire est encore insuffisante pour qu'il recouvre sa mobilité. Comme par hasard. Ceux qui ont enlevé celle qui était chère se sont enfuis au cœur de l'univers. L'endroit le plus reculé du cosmos. Hein? Quoi? Attendez, je comprends pas. Le cœur, on a plutôt tendance à penser que c'est au milieu, non? Le cœur de l'univers, enfin... Et donc comment ça peut être l'endroit le plus éloigné? Donc il est au cœur, donc globalement en fait il est central à tout. J'aurais pensé que l'endroit le plus éloigné de l'univers c'était à l'opposé de là où on a été quoi. Il y a un truc qui va pas. Hein. Nous pourrons nous rendre au cœur de l'univers où tu retrouveras celle qui t'est chère. La lumière est revenue, ça, quel bonheur. C'est la récréation. On peut lui parler, lui. Est-ce que maman t'a déjà lu une histoire? Ah, ça y est. La bibliothèque de maman est par ici. Je veux ça, moi. Peut-être parce que le cœur représente l'amour et bien qu'au centre de chacun de nous, l'amour, nous sommes si lointains. Là. Au fond, à chambre. Et à droite, la cuisine. Maman va nous lire une histoire. C'est bien pour toi. Hein. Ah, il te faut plus de super étoiles si tu veux te rendre aux étages supérieurs. Ici, c'est la cuisine. Attendez. Hop, hop, hop. Je ne te dirai sûrement pas mon secret. Ça, il a un secret. On voit tellement de trucs là. Tu es un poète. J'en doutais pas, hein. J'en doutais pas. Tu as toujours eu l'air très poète, effectivement. Ici, c'est la chambre. Les petits coquins, ils avaient caché une vie. C'est des coquins, hein. Nous avons découvert leur poste avancé. J'espère qu'ils ne préparent pas un mauvais coup en utilisant l'énergie de la grande étoile. Évidemment que non. Ils font ça depuis le début, donc pourquoi ils le feraient encore maintenant, quoi? Deux. Allez, on débloque tout. Déblocation. Ah, les galaxies fantômes. Je crois qu'il me semble... Il me semble qu'elles sont rigolotes dans Mario Galaxy. Hein. Les mondes fantômes sont plutôt cool. De mémoire. Putain, il y a les pinguinos. Pourquoi moi, commandant Cousteau? Ah, j'aime pas les bêtes. Ici, c'est le paradis des pingouins. La plage Saladier. Si tu veux apprendre à nager, demande à mes camarades sous l'eau, ils t'expliqueront. Si j'ai pas envie d'apprendre. Toi aussi, tu as vu les trucs brillants? Non, je les ai pas vus. Trucs brillants dans l'eau. Tu veux pas les trucs étincelants? Ah, les trucs brillants et étincelants.
Ah mais elle se trouve fascinée par ses sentiments dans la mer pour passer l'examen. Il faut pas grand chose hein. Allez j'y vais. Merde. Oh là par contre la caméra là. Jean-Michel caméra. On peut pas faire des tornades? Attendez. Si. Si mais tellement. C'est ce qu'il me semblait. Oh y'a Murane, y'a la Murane. Non. Ah regardez y'a un truc qui brille. Bon, c'est où après? Dans la caisse? Y'a une caisse, y'a une caisse. La caisse, la caisse. Haha, où elle est? Par contre, la dernière, je me demande si ça peut être la Murane, quoi. Là, j'ai fait le tour. Attendez, il y a un truc là. Ah non, regardez celle-là. Tout simplement. Quel malin. Oh là là. First try. Quoi c'est? C'est resté là-haut. Ah d'accord, pour ça. Je suis à côté. Ah quel con. En même temps j'en ai plein, c'est pas grave. Grimpe jusqu'au sommet en faisant des sauts miroirs. Est-ce que je peux sauter là-dessus? Est-ce qu'il y a un truc au bout? Des pièces? Ouf. Ça, c'était pas les sauts muraux les plus compliqués de la vie, quoi. Ta-ta-ta-da. Pouette, 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 pouette. Titit. La bibliothèque d'harmonie est ouverte. Lecture du livre d'histoire peut commencer. Un goinfre l'humain est apparu. Oh là, mais trop de choses, trop de choses. Voulez-vous sauvegarder? Non. On va aller voir qu'est-ce qu'elle a à nous raconter, Harmonie. Étoile, t'aurais pas des fragments d'étoiles? J'ai une furieuse envie de fragments d'étoiles. Je veux en manger plein, 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 plein. Je veux des fragments d'étoiles. Si tu m'en offres 600, je me transformerai. «
ça y est, je suis repu. Alors on y va. Transformation! Et bim! Une nouvelle galaxie. Est-ce que j'y suis allé dans les galaxies là que j'avais débloquées? Je crois pas. Hein. Je crois pas. En fait, j'en débloque là depuis tout à l'heure, mais. Depuis que j'ai commencé à jouer. Mais derrière, je crois que j'y vais pas. Ce qui est un peu con. Oh! Bien, commençons. Chapitre 1, tous les deux. Il était une fois, il y a très très longtemps, sur une petite planète bleue, une fillette découvrit un vieux vaisseau rouillé. À l'intérieur vivait un luma, un petit enfant étoile. La fillette demanda au luma : Qui es-tu ? Et que fais-tu ici ? J'attends ma maman. Elle doit venir me chercher avec sa comète, répondit le luma qui attendait. Attendit nuit et jour depuis des lustres. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à chercher ta maman, lui promit solennellement la fillette. La nuit tombée, la fillette emprunta en cachette le télescope de son père et se mit à scruter le firmament. Mais elle eut beau chercher pendant des heures, elle ne découvrit aucune trace de la comète. Elle essaya encore pendant les jours, puis les années qui suivirent. Mais les cieux restaient désespérément vides. Un jour, la fillette dit au luma : Si ça continue comme ça, je serai grand-mère avant qu'on la trouve. Elle poussa un grand soupir, mais soudain, elle eut une idée. « Et si nous partions à la recherche de ta maman ?»« Génie. » La fillette et le luma remirent le vieux vaisseau en état et embarquèrent en direction des étoiles. C'est ainsi que débuta leur voyage à la recherche de la maman du luma. Chapitre 2, les éclats d'étoiles. Plusieurs jours avaient passé depuis le départ. Ils n'avaient pas croisé la moindre planète sur leur route. Les astéroïdes et les débris cosmiques s'étendaient à perte de vue. Si j'avais su, j'aurais emporté plus de confiture, dit la fillette en frottant son ventre qui gargouillait. Avant le départ, elle avait empaqueté du pain de seigle, du lait, de la confiture de framboise et du thé parfumé à l'abricot. Elle avait oublié quelque chose d'essentiel. Je n'ai pas pris d'eau. À ce que je peux être tête en l'air. À ces mots, le luma se mit à rire aux éclats. Aux éclats d'étoiles. Non. Moi, tant que j'ai des éclats d'étoiles, ça me suffit. Tu veux goûter? Et la fillette répondit avec une pointe d'ironie. Ah, me voilà rassuré. Je pensais que tu ne riais jamais. Et luma de rire. Rire, au point que la fillette finit par rire avec lui. Bon, dans ce cas, pourquoi pas? Je vais en goûter une bouchée. Grâce au fil à papillon de son frère qu'elle avait emporté, la fillette commença à attraper des éclats d'étoiles. Elle se penchait à l'extérieur du vaisseau pour atteindre les cristaux scintillants, et faillit en tomber plus d'une fois. Lorsqu'on avait attrapé suffisamment, elle en glissa une poignée dans sa bouche. Ils avaient un goût sucré, proche du miel. C'est tout pour aujourd'hui. C'est bien, on apprend un peu plus. Sur Harmony, je vais aller voir les galaxies que j'ai débloquées en fait. Parce que je suis mignon là. Je suis mignon, 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 mais je suis pas allé voir les galaxies que j'avais débloquées. Mignon, 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 mais je suis pas allé voir les galaxies que j'avais débloquées. Veux-tu aller dans cette galaxie, fabrique de gâteaux? Bah oui. Très bien, c'est parti. Pouette, 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 pouette. À nous les bons gâteaux. Thank you.
Hop là. Il a fait un petit saut par-dessus le vide, hein, quand même. Hein. Je peux pas faire un pas de plus. Courage, le trésor est à notre portée. Ah merde. Ok, plein d'éclats là, c'est vachement bien, on est content. Ouah ! Non ! Merde, merde, merde. Ah merde ! Ah le con ! Ah, y a un checkpoint quand même. Tout de même. Ils ont pensé au checkpoint. Oh le saut. Oh le saut qui était vraiment à la frame quoi. Bah non. Bah non quoi. Ah. Ok. Super étoile est étroitement surveillée. J'adore le chocolat à la menthe. Oh, il y avait un truc dans le fond. Non. Est-ce qu'il y avait un truc à faire en plus ou pas? Je me suis peut-être précipité sur l'étoile, finalement. Vous avez trouvé une étoile, fabrique de gâteau. Galaxie, ouais, non, bah ok. Galaxie complète, donc c'est ok. Il y avait que ça à prendre. Allez, on va sauvegarder. On va aller faire l'autre, on a débloqué. Veux-tu aller dans ces galaxies? Astéroïde au cocon. Eh bien c'est parti. Les cocons élastiques. Je l'aime pas ce niveau. Je l'aime pas. Zut. J'ai tiré à côté. Ah mais c'est le... C'est le motion gaming qui marche mal. J'adore ce bruit, les petits... On va pas prendre la vie hein. A peut-être dû aller chercher la vie finalement. Finalement. Non mais il est nul ce stage. Et merde! Et merde! Je m'énerve pas, Madeleine, j'explique aux gens! Merde!
Ok, donc là, faut que je me balance sur les machins. Voilà. Ouais. Merde. Comment je fais? Ah d'accord. C'est bon, je viens de comprendre. C'est bon. Des fois, je suis un peu con quand même. Oh merde. Non, c'est bon. Je fasse gaffe de pas me cramer le cul là. Yes. On a bien fermé les fragments là. Merci Patatarte pour le GG. Hop. Ah, on a bien... Ouais, on a bien fermé, hein. Ah en terrasse, il y a une comète farceuse. Alors, faut vraiment les faire au fur et à mesure, hein, parce que... à la fin, je crois qu'on galère un peu pour les avoir au moment où il faut, quoi. Donc vraiment, quand on en voit une, faut la faire, quoi. La comète d'ombre, c'est celle où il y a mon clone. Il y a mon clone qui... ça va être une course contre la montre. Devance ton double, le royaume des abeilles, c'est ça. Merde. Comment je fais après? Il est juste derrière, vite. Dépêche-toi. Dépêche-toi Mario. Merde. Ok, je l'ai eu. Je l'ai bien arnaqué. Ah, nouveau chapitre. Charmonie. Elle va pouvoir nous lire une petite histoire, là. On va savoir ce qui s'est passé. Déjà, est-ce qu'il y a une comète quelque part? Non, pas de comète. Alors, nouvelle histoire. Let us
Commençons. Chapitre 3, l'étoile scintillante. Un jour, un rayon de lumière pénétra par le hublot du vaisseau. Le soleil se lève, ça faisait longtemps. En regardant par la fenêtre, la fillette aperçut un astre magnifique, à couleur émeraude, brillant de mille feux. Secouant le lumin endormi, pour le réveiller, la fillette lui dit « Allons voir ce qu'il y a sur cet astre. » Tranquille, hein, les pieds nus sur l'astre, tranquille. Le corps céleste sur lequel ils avaient atterri semblait fait de glace lumineuse. La glace lumineuse, c'est fou. Le luma et la fillette l'explorèrent minutieusement mais trouvèrent aucune trace de la maman du luma. Exténué, la fillette laissa choir sur le sol. « On dirait que ta maman n'est pas ici. » Soudain, le luma s'écria « Regarde !» Dans l'épaisseur du sol gelé que lui montrait le luma, la fillette aperçut de nombreux éclats d'étoiles. « C'est formidable, hein ?» dit fièrement le luma. « Même si cet astre est fait de glace, la température y est très agréable. » Je suis sûr qu'on peut y trouver de l'eau. De commun accord, ils décidèrent de s'installer quelque temps dans ce nouveau paradis. Ainsi, se laissant porter par le courant des étoiles scintillantes, les deux voyageurs poursuivirent leur recherche de la maman du luma. Ah, c'est tout dans l'histoire. Hein. Putain, les pauvres lumas, quoi. Ils ont 5 minutes d'histoire. Hein. Faut en profiter, hein, parce que... Faut en profiter, il n'y en a pas plus. Hein. Ah, déconne pas, hein. Ah, déconne pas, Harmonie, hein, c'est vraiment efficacité, quoi. Bon, vas-y, toi, du coup. Je t'ai débloqué, donc je veux y aller. L'arme. Comment ça, l'arme? Comment ça, l'arme? J'ai les yeux qui ont piqué, c'est ça? L'invasion des anguilles géantes. Je vais pas aimer. Je vais pas aimer. Putain, y'a des pingouinos. Pourquoi moi, commandant Cousteau? Ah, yes. Mouah, ces derniers temps, d'énormes anguilles sèment la terreur en mer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Leur casser la gueule. Si on cherche la bagarre à ces anguilles, elles vont nous manger. On pourrait peut-être se débarrasser de ces anguilles en leur lançant des carapaces. Ah, bien vu. Bien vu. Le papy a perdu ses dents, alors il a un peu de mal à parler. Ah, c'est pas une blague en fait. Le vieux, il a vraiment plus de chico quoi. Faut que je vise, et bam! Elles sont où les anguilles? Ah là, y a un coffre. Oh là, y a un coffre aussi. Il y a des coffres partout en fait. Oh non! Mais non! C'était un prank! Enfin, je me suis fait pranker. Putain, les petits prankers quoi. C'est pas grave, parce que j'ai trouvé une nouvelle anguille. Allez, je la suis. La petite Nanguille, je veux la voir. Bah vas-y la caméra. Je veux la voir et je l'aurai. La petite Nanguille. Ah là là là, go. Bam! Dans sa teuté à l'anguille là. Ah,
L'autre elle est là. Voilà. J'ai réussi en lui fonçant dedans, mais j'ai réussi. Ça marchait aussi, hein. C'était une technique comme une autre. Hein. Il faut que j'aille sur l'épave. L'épave, elle est là. Merde. Hop. Balapam. Tadam. Bam. Allez, encore une galaxie complétée, c'est parfait. Ça avance, ça avance. C'est une évidence. L'épave. Oh, mais non, mais tellement pas, arrête. 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 Voyons. Attendez. Hop, 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 hop. Non, je suis trop loin. Trop près. Trop milieu. Alors ensuite, on avait quasiment rien fait en fait là. Ah ouais, voilà. On y retourne. Spouette, spouette. L'examen de natation. Toi aussi, tu veux passer l'examen de natation? D'accord. L'examen consiste à ramasser une carapace. Rapporte-moi la carapace dorée qui se trouve dans la mer. Vas-y, que connerie. Mais, lui, il veut. Mais cool! Cool, bande de dieu de merde! Il veut pas? Je vous promets, il veut pas couler. Hein? Ah, d'accord. Bon. Ah mais je l'ai eu. Ah mais je l'ai arnaqué en fait. Je l'ai arnaqué au pauvre gamin. Il y avait le gamin qui l'avait, je l'ai arnaqué. Je pensais pas que tu arriverais à la ramener. Tiens, je te donne cette grosse médaille d'or. Ah mais la pire arnaque, j'ai excroqué un gamin. Mais t'es un de mes élèves? Super. Super. Pauvre gamin. Il avait sa petite carapace, je lui ai piqué des mains. Sans le vouloir en plus. C'est ce qu'il fallait faire, mais je voulais pas. Une nouvelle galaxie. Alors. Nouvelle galaxie. Le défi de la bulle. C'était chiant aussi ça. L'île flottante. Ah, une petite île flottante. Pourquoi il y a une Pokéball? Pourquoi il y a une Pokéball tout en haut là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est une Pokéball? Moi j'aime pas ça les Pokémon moi. Moi je joue pas à Pokémon. Hein. Attrapez les tous. Palap, palap. Nous trouvons dans l'ancienne forteresse marine, l'île flottante, plus personne ne s'en sert.
s'occupons de son entretien. Ed, c'est quoi ? Si tu casses le... Attends. Si tu casses le poids qui est sous l'eau, la tour au milieu se mettra à flotter. Allez, quoi. J'ai comme l'impression qu'il m'explique qu'est-ce qu'il faut faire. Non, non, mais non, retourne dans, sous l'eau. Voilà, c'est sous l'eau, merci. Ouais. Ah oui, d'accord. J'ai vu qu'il y avait des torpilles. Vite, j'ai plus d'air. Merci. On va remonter, hein. Alors... Ok... Jusque là, ça va. Jusque là, ça va encore. Donc les canons sont détraqués, tu peux pas les arrêter en tournant cette valve. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, il y en a un là. Merde. Zut. Merde. Ok, impec. Ah, est-ce qu'il y a quoi ? Est-ce qu'il y a quoi ? Loupéd. Hop là. Merde, j'ai, ouais. J'étais en cours de descente.
Merde, merde, non. Arrête, arrête. Voilà, on va être mieux. Et encore une. Ça avance plus pas mal, hein. Je sais pas pourquoi on a mis autant de temps la dernière fois, en fait. Parce que je sais plus combien de temps on avait joué la première session. Mais on récupérait que 7 comme ça sur une session. Là, on est déjà à 31. Ah! Oh! Ah. Allez, on va retourner sur la plage. Sur la plage abandonnée. Coquillages et crustacés. C'est... le mystère de la grotte aux tourbillons. Il n'y a pas de cours de natation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ? Ne casse pas la paroi au fond de l'eau avec une carapace, ce serait terrible. Terrible ! Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller péter la paroi avec une carapace. Bien évidemment. Parce qu'on est un peu un connard. Ouah, ça s'est cassé. Quand même un sale con. Merde. On lui dit le fais pas. Oh non. Enfin, qui pouvait le savoir qu'il y avait une porte cachée juste derrière les... les caisses, quoi. C'est fou. Hein. Voilà, ça m'emmène loin. Je crois que ce niveau, il y avait moyen de l'arnaquer avec des longs jumps partout. Je crois. Je suis pas sûr, hein, mais... Ah ! Comment je sais qu'il va continuer sur cette route-là ? Regardez, par exemple, je fais ça. Hop, hop, hop. Ah non ! Il y a le jeu qui... Il y a le jeu qui nous fait... Ah non ! Non, 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 tu n'y arriveras pas. Ah, on peut pas l'arnaquer. Hein. Plutôt bien fait ce jeu quand même. Hein. On va essayer de lui mettre une grosse carotte, il te dit bah non. Non, non. T'as envie ? Ah bah ouais, mais non, mais non. Ah ouais, je me mets là. Voilà, là ça devrait être bon. Super, merci. Ensuite. Ensuite les Doritos.
Quoi? Attends, il va jusqu'où? Il va jusqu'où? Il va d'accord. Je vais pas essayer d'aller chercher la vie, c'est un gros bait. Donc c'est non. Ensuite, là. 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 Ok, là on est safe. Jusqu'où lui? Hop là. Hop là. Moi j'ai pris le raccourci, vous m'en voulez pas hein. Voilà. Je suis sûr qu'il y a des moyens de couper quelque part hein. Là c'était un peu long. Tudut. Encore une histoire. Bon, on verra après. Hein. C'est bon. Faire 12 bornes pour 4 secondes d'histoire, ça va quoi. Ah! Comète rapide. Est-ce que justement c'est pas sur le truc que je viens de faire? Ah non, c'est les ennemis sont plus rapides, c'est ça? Les gardiens du couloir céleste à toute vitesse, c'est ça. Ouais, voilà. Ils vont beaucoup plus vite. Je vais y arriver un jour. C'est là. C'est là qu'il y a le truc. Là. Zen Doritos. Non! Ça! Ah, oh, j'ai transpiré. Voilà. Le pouvoir du long jump, hein. Et ben voilà. Ça s'est très bien passé. Ta-da-da. Ok, bah on continue. Il y en a une cachée a priori. Non. Il y a les étoiles vertes, non? Bah défi de la bulle. Oh c'est nul ça. Ça je crois que c'est nul. Contre vents et marées. Blague. Parce qu'on est dans, un marais. Alors. Le vaisseau champignon a fait un atterrissage forcé.
Le vent souffle fort. Ça doit être agréable de s'y laisser porter. Ce marais est empoisonné, si tu tombes dedans, c'est la fin des haricots. C'est la fin de Daricole. Si vous mettez dans les dans le marais. Bubule. Attention, c'est panneau d'affichage. Tu comptes monter dans cette bulle, tu ferais mieux de m'écouter. Moi, le grand panneau d'affichage. Une fois dans la bulle, maintiens A pour que le curseur souffle de l'air. Utilise ce souffle pour pousser la bulle dans la direction de ton choix. Si tu joues mode portable, tu peux gérer ce souffle en touchant l'écran. Oh là là, c'est trop bien. Demande peu de maîtrise, mais tu devrais t'en sortir. Ou pas. Je me rappelle que c'était pas les... Ouais, bien niveau préféré. Hein. Et bah ça joue pas mal à la manette pro finalement. Je sais pas s'ils ont simplifié le truc ou pas. Non! Bah voilà. Bah voilà, que demander de plus? Oula, 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 plein. Ah, c'était pas fini. Eh, je vais te dire un truc que j'ai oublié tout à l'heure. Si tu veux descendre de la bulle, il suffit d'appuyer sur ZL. Attention, si ta bulle se retrouve coincée entre les murs en mouvement, elle éclate. On temporise. La concentration quoi. Boing. Non. Les vies dans le jeu. Les vies dans le jeu, c'est quand même un gros bait. Hein. Vraiment, c'est vous en avez pas besoin. Hein. Mais le jeu vous en met régulièrement. Ils ont hey, petite vie là. T'as pas envie d'essayer de crever? Pourquoi il y a plein de trucs là? Il y a sûrement un truc caché.
Ah bah non, c'était pas un truc caché en fait. C'était sûrement des étoiles, des éclats d'étoiles en plus, ou des pièces. On a bien fait de pas se faire avoir et de ne pas y aller. Ça c'est bon. Bah let's go pour la fantôme hein. Yeah yeah yeah. À la rescousse de Luigi dans le manoir. Ah, on va voir Luigi maintenant. Pourquoi il y a un os? Elle a des os partout, d'accord. Ok. C'est rigolo, ça tourne. Ah bah zut, il est tombé. Ouais, les débuts de Mario Kart 8 quand même. Le fait de... Le truc tourne. Et on continue à avancer au même endroit quoi. Par là toi? C'est par là? Ici. Allez. Bien fait avoir là. Quoi? Y'a un truc derrière là. Ah. Les fantômes ont le droit de la... Non. Non. Sans blague. Les pans. Vu qu'on est des escaliers, du coup on voit de travers, c'est rigolo. Ok. Aïe. Je m'ai fait mal. Je m'ai fait baba. Merde. Non! T'en vas pas! Dis-coup. Merde. C'est le merdier. Hop. Let's go. Euh,
Ok. Donc il est là. Coucou Luigi. J'arrive. Merde, putain, j'ai failli. Mais déconnez moi là. C'est écrit en langue fantôme. Dommage. Ah ouais, mais le champi fantôme, je l'avais oublié lui. Prends-le! Merci. Quand même. Quoi? Non, je sais plus. Ah voilà. Pauvrier. C'est moi, espèce de débile. Espèce de con. Mario, te voilà enfin. J'ai été séparé des Toad, c'était terrible. Mais au moins j'ai trouvé une super étoile. T'es un peu fier de moi, pas vrai? Bah oui. Oui, je suis fier de toi, mon frère. Rentrons vite à la maison. Il s'est fait choper quand est-ce? Quand est-ce qu'il s'est fait choper? Ah non, bah oui, il est parti avec les Toads. Bah oui, je suis con. J'allais dire quand est-ce qu'il s'est fait choper en fait, parce qu'au tout début, il est pas là. Mais ouais, non, il s'est fait choper. Enfin, il part avec les Toads après, quoi. Pourquoi ça me ramène ici? Ah, parce que du coup, il y a Luigi a été... voilà, je suis heureuse de te voir de retour. J'aperçois ton frère là-bas. Si tu lui demandais, je suis sûr qu'il serait prêt à nous aider à trouver les super étoiles. Certaine que vous avez beaucoup de choses à vous dire. On va le voir, il est près du garage. Bon, j'ai pas de comète farceuse. Donc on va aller parler à machin. Salut grand frère, tu cherches les super étoiles, pas vrai? Tu peux compter sur mon aide. Je pense que certaines nous ont échappé dans la galaxie des planètes œufs, par exemple. Si j'en trouve une, je t'enverrai une lettre. Attends un peu, tu seras pas déçu. Oh yeah. Je trouve une super étoile dans la galaxie des planètes œufs, je t'enverrai une lettre. Une lettre. Le mec, il va m'envoyer une lettre. Je suis littéralement à 20 mètres de lui. Mais le mec va m'envoyer une lettre. Est-ce qu'il serait pas en train de se foutre de ma gueule? Pas le plus grand des hasards. Ce saut. Ce saut toupie là. Arrête de ralouiller et prends soin de ta nièce. Hein? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié. T'avoueras que c'est pas très développement durable quand même d'envoyer une lettre à quelqu'un qui est juste à côté de toi. T'avoueras. Quoi, falloir que je fasse une course contre un bout. Il est timide, tu lui fais peur. Je suis son frère. Je
suis son frère, d'où je lui fais peur, je suis son frère. On se connaît depuis qu'on est petit. À ce soir. Quoi? Tu viens? Bim! Bah des bisous Melseki. Bah non, je savais pas. Des bisous à toi. Je serais peut-être plus en stream par contre. A voir, à voir, à voir. Là, 1h16. Je commence à piquer du nez en fait déjà. Ça va vraiment dépendre de l'élan de motivation ou non. Ça tourne en même temps que j'avance là. C'est quoi cette horreur? Jean-Michel à vous. Jean-Michel à moi? À vous. Fais attention au jambon. Ok. Toi aussi tu veux l'étoile? Alors fais la course avec moi. Quand tu veux. Je vais t'écraser. Alors c'est parti. Quoi? Mais ça a pris l'eau. Oh merde. Merde, merde, ah merde, je suis allé trop loin. Là. JM, petite sieste, petit repas. Quelle arabia. Mais quelle arabia, je peux pas en faire. Elle ne veut pas. Puis petite sieste. Mais repas, oui. Regardez, il me la donne. Il est gentil. Il est gentil. Il est gentil, le bout. Non, non, mais t'inquiète, hein, de toute façon, je vais pas. J'ai compris, hein, tu sais, les streams. Les streams où j'y vais jusqu'à l'épuisement, ouais non c'est j'ai arrêté hein, j'ai arrêté. Je suis un peu plus malin maintenant. Pourquoi ça me ramène là à chaque fois, c'est chiant. Mario, je suis le facteur, une lettre est arrivée pour toi. Ah bah je parie qu'... Oh bah regarde. Où se trouve cet endroit? Je me demande si je l'ai pas déjà vu. Je donne cette photo pour que tu n'oublies pas où se trouve Luigi. Pour voir la photo, appuie sur plus et choisis l'icône courrier dans le menu de pause. D'accord. Voulez-vous sauvegarder? Ouais. Oh, va falloir trouver. Va falloir trouver où il est. Ah mais c'est facile ça, c'est le toit de la maison du premier niveau ça. Ouais non c'est bon ça. Easy. Des premiers niveaux, paf. Et je vais voir le Louis de J. Ah dans Planète Off, bah oui. Non mais vite. En plus c'est lui qui me l'a dit, il m'a dit que c'était dans Planète Off. Ta-na-na-na-na-na. Regardez, il est au-dessus de la maison. Il est au-dessus de la maison.
Merde, ça marche pas. Bra bra bra. Tu es encore venu me sauver? Je peux toujours compter sur toi, grand frère. Ah oui, la super étoile. Je l'ai trouvée, tiens. J'arrive à me la filer comme ça? Mais genre, il était paumé. Alors qu'il avait juste à descendre. Il est nul. Qu'il est nul, ce Luigi. Oh. Padapadam, pam pam. Faut sauvegarder. Moi, je suis très content. D'avoir eu une vie. Une étoile. Si simple. Alors là, il n'y a rien. Et bon, on y retourne. C'est parti pour la galaxie fantôme. Débris spatiaux et le chef des fantômes, attention. Attention à combat de boss. Enfin de mid boss. Rien que les débuts de niveau, ils sont classe, hein, franchement. C'est vraiment un bon jeu. Hein. Parce que ce petit truc de on débarque sur le niveau et tout, il y a la petite cinématique là. Ça dure pas longtemps, mais ça permet d'avoir un œil un peu sur le niveau et tout. C'est franchement malin, c'est plutôt bien fait et tout. Non, vraiment. J'aime vraiment ce jeu, quoi. Merde. Ah zut. Ça te fait marrer? Ah tiens. Mange ça si ça te fait marrer. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, les noirs, c'est vrai, c'est ceux qu'on peut faire tourner. Voilà. Parfait. Alors, c'est celui dans la cheminée hein, qu'il faut faire péter, mais... Hop. Putain, il y avait un truc dans la cheminée, quoi. Qui aurait pu s'en douter? Là, vous voyez, faut attendre un petit peu. Si on appuie comme un bourrin... Bah d'ailleurs, on peut pas avoir ça. En même temps, c'était pas énorme, mais... Le jeu nous apprend de temps en temps à ne pas aller trop vite. Quoi? Ça marche pas. Aïe. Arrête de te marrer, hein. Merde. Ah
Merde, ça marche pas. Ok. En fait, je peux juste faire ça. Hein. Merde. J'ai oublié de rappuyer. C'est risqué ce que je viens de faire, mais... C'était classe. C'est pour les, c'est pour les points de swag. J'aurais pu carrément être propulsé à côté. Et j'aurais eu les boules. Et rigolo. Toi, qu'est-ce que tu m'offres? Enfin, m'offre. Qu'est-ce que tu me vends d'ailleurs? Parce que. Ils m'offrent jamais rien, les salauds. Pour 30 fragments en plus. Allez, vas-y. Je veux de l'énergie. Zébardi! Transformation! Ah, mais c'est ce boss-là, d'accord, ok. Oui, je m'en rappelle. Regardez. Regardez-moi ça. Viens par là, toi. Bon, vous avez compris, hein. Faut casser les roches qu'il y a sur lui. Et là, il y a plusieurs phases. Il va devenir de plus en plus relou. Ah non, il va nous tabasser avec ses mains. C'est ça. Les points de l'enfer. Je crois qu'il va faire casser la gueule des mains avant. Et voilà, on peut avoir le milieu quand même direct. C'est une des phases strat, c'est d'essayer de pas tabasser la main. Mais de tabasser le corps. Tiens. Tiens.
Let's go, let's go. Mais non, il est tout seul. Ouais, bah forcément, ouais. Ah, attendez. Il y a un truc. Oh, il y a un truc là. Avec deux phases. D'accord, ok. Je me disais que ça faisait un peu long sinon, mais par contre lui c'est sûr qu'il y a, il y a une comète farceuse où la comète farceuse c'est le tuer sans se faire toucher. J'ai le souvenir de ça. Peut-être je me trompe, mais on verra. Ah! Bah voilà. Comète blanche. Pas de seconde chance. Je crois que je l'ai réussi sans me faire toucher là, en plus la fois d'avant, non? Je crois, hein. Je crois qu'il m'a pas touché. On va essayer de refaire la même. Il m'en donne deux. Merde, oh merde. Oh c'est con. C'est vraiment con. Allez, première phase, c'est ok. Maintenant la suite. Avec les grosses mumines. Avec les grosses patounes. Oh! Oh, les deux dans le milieu! Génie! Oh là là, puis il m'en redonne encore derrière! Ça va être chaud, ça va être chaud. Non ! Merde ! Ah merde ! J'ai fait le con ! En plus on peut le lâcher le truc. Je m'en suis rendu compte là. J'aurais dû le lâcher au bon moment. Allez ! Allez, mange ça, toi. Eh ben, je suis très satisfait de ce combat. J'ai souvenir d'avoir un peu galéré sur celui-là. A priori, je me suis amélioré sur les Mario. Depuis que j'ai fait le 500% de 3D World, je suis meilleur. Je suis meilleur, vraiment. Rien à redire. Hein. Ok, ok, et ben on y va pour ça. Je pense qu'on s'arrêtera après. On ira débloquer des trucs et puis
Seul contre la flotte de Bowser. Ah ouais? Pas de joke, hein. Ah ouais. Ah ouais. Tiens. Mange. Ah non, Kamek. Ah ouais, c'est bon. Finalement, ça l'a fait. À 30 fragments. Ah, il se barre quoi. Ah, il me dit vas-y non fuck quoi. Super hein. Mario, te voilà enfin. Je suis si excité que mon petit cœur est sur le point d'exploser. A priori très content de voir Mario. Oui, 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 je sais, oui, 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 je... non mais ouais, c'est bon. C'est bon. Je veux de l'énergie. Mon corps est en pleine croissance. Transformation. Merde. Oh la merde. Oh la merde, comment je me suis bien fait baiser. Non. J'avais pas pensé au retour au knockback quoi. Je l'ai pas vu venir le knockback, hein, j'avoue. Allez, vas-y. Pas besoin de vie en plus, là. Bon, finalement, j'avais peut-être besoin de vie en plus. Hein? Quoi? Allez, on file, on file. Quel coup. Aïe. Bon. Alors. Tu es vraiment coriace, puisque c'est comme ça, je vais m'occuper de ton cas personnellement. Tu veux la grande étoile, alors il faudra me la prendre de force. D'accord. Deal. Comment on fait?
Merde. C'est sûr que c'est à côté là. Hein. Aïe. Putain mais le Kamek, de toute façon le Kamek il me faisait chier. Depuis tout à l'heure il me faisait chier. Ah ouais? D'accord. C'était insupportable. Bam 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 bam. Et ben voilà. On va encore débloquer une partie du vaisseau. La chambre. Ouh. Grâce aux tes amis, tous les dômes d'étage inférieur sont accessibles. De plus, si la salle des machines de l'étage supérieur est réactivée, l'observatoire de la comète pourra de nouveau voyager entre les galaxies comme un astronef. Ainsi, nous pourrons nous rendre au cœur de l'univers où t'attends celle qui t'est chère. Allez, on va aller dans la chambre. On va aller voir tout ce qu'on a à débloquer. Les jolis petits niveaux qui nous attendent. Position ennemie repérée. Et cette fois, nous y avons observé une énergie incommensurable. Je me demande ce qu'il trafique. Alors ça, on peut débloquer. Ça, on peut débloquer. Ça, on peut débloquer. Et ça, on peut débloquer. Les jardins venteux. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le truc, on peut faire des nuages. C'est rigolo. C'est rigolo. L'usine de matière noire. Ok, ça marche. Bon, voilà. On a le programme pour la prochaine fois. Je vais juste regarder s'il n'y a pas une petite comète farceuse là. Histoire de se terminer sur un petit challenge. Sinon, c'est pas grave. Ça arrêtera là. Non, pas de comète farceuse malheureusement. On va aller voir Luigi. Est-ce que Luigi est là? Ouais. On va parler à Luigi. La recherche des super étoiles est plus difficile que ce que je pensais. Et je ne baisserai pas les barres où Bowser s'empara de l'univers. Ok, bon du coup y'a rien. Ça marche. Non, bah non, c'est ok. Hop, hop, hop. Bon, on va s'arrêter là. Eh ben, des bisous YouTube. Ça m'a fait plaisir que vous soyez là. Hein. Plein de bisous.